Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, j'ai changé un petit peu le début, le départ. Voilà, un peu de changement, ça fait pas de mal. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc aujourd'hui, on va customiser un t-shirt grâce à de la Javel. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'une bassine, d'eau de Javel, d'un t-shirt ou d'un débardeur, d'élastique, d'un crayon et d'un ciseau. Donc première étape, prenez votre crayon à papier et commencez à dessiner l'encolure que vous souhaitez. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez prendre votre ciseau et commencer à découper. Voilà, je découpe aussi l'arrière pour cacher la marque et pour que ce soit pareil partout et découpé de la même façon. Donc voilà, c'était un t-shirt Roxy, mais vraiment l'encolure ne me plaisait pas du tout, donc c'est pour ça que je l'ai découpé. Et ensuite, comme dans toutes les autres vidéos, si vous me suivez, bah, vous pouvez voir qu'à chaque fois c'est la même chose. On prend le col et on étire, pour qu'à la fin, ça fasse un rendu beaucoup plus joli, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc maintenant, vous pouvez prendre tous vos élastiques. Prenez des élastiques pas chers, vraiment, parce que de toute façon, après, vous pourrez les jeter. Et donc, vous allez venir attacher votre t-shirt plein de fois. Donc vraiment, là, il n'y a pas vraiment de règles, vous faites vraiment comme vous voulez, mais vraiment, vous l'attachez beaucoup de fois. Comme vous pouvez le voir sur ces images, vous faites pareil. Et donc, une fois que c'est bien attaché, là, vous allez venir vraiment attacher avec un élastique votre t-shirt pour que ça fasse une boule et pour qu'il soit vraiment voilà, tout recroquevillé. Donc, vous en mettez deux de chaque côté. Donc, voilà, comme sur l'image. Comme une boule. Donc maintenant, vous pouvez prendre votre Javel. Encore une fois, vous pouvez en acheter une de bas prix parce que vraiment, voilà, c'est juste une Javel. Donc vous n'en versez vraiment pas beaucoup parce que c'est très efficace et il ne faut pas en mettre beaucoup. Et vous mettez ensuite votre t-shirt dans votre Javel et vous le tournez un petit peu comme ça. Donc c'est parti, vous lancez votre chrono. Et donc, vous allez le laisser pas plus de 4 minutes, du moins entre 3 et 4 minutes, parce que vraiment, c'est très rapide. Donc là, très important, vu que l'eau de Javel, c'est quand même très irritant, vous prenez des gants. Des gants de cuisine, des gants voilà, en caoutchouc. Et là, vous allez venir rincer à l'eau propre votre bassine ainsi que votre t-shirt. Faites attention par contre aux éclaboussures parce que s'il y a d'autres Javel qui éclaboussent vos vêtements, là, c'est fichu, vous avez une tache quoi. Maintenant que votre t-shirt est bien rincé et qu'il n'y a plus d'eau de Javel dessus, vous pouvez enlever vos gants et retirer tous les petits élastiques. Vous avez vu, vraiment, ça a vraiment beaucoup décoloré par rapport au bleu électrique qui était au début, vraiment.
Et donc voilà le résultat. Donc ce que j'adore, c'est que le motif Roxy et la dame qu'on voyait pas beaucoup avant avec le bleu électrique, là ça ressort vraiment mais vraiment très bien. Et ça j'adore. J'adore les motifs que ça fait. Alors peut-être que j'ai laissé un peu trop longtemps parce que ça fait des taches un peu jaunes. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà, vraiment si vous laissez 3-4 minutes, ça devrait pas faire ça normalement. Et voilà, j'adore vraiment le résultat. Donc le voilà. Vraiment voilà, ça ressort vraiment très bien ce motif aussi. Ça fait un peu arc-en-ciel, je trouve ça très joli. Donc voilà le résultat. Pour finir, un petit avant-après, donc on peut vraiment voir la différence. Et j'aime beaucoup mieux le t-shirt maintenant qu'il est customisé. Voilà, donc finalement, après l'avoir laissé quelques temps à l'air libre, les taches jaunes sont finalement parties. Et c'est vrai que là, bon, avec la luminosité, on s'en rend pas trop compte, mais c'est vrai que le t-shirt est vraiment très très blanc. Donc voilà, on voit un petit peu les motifs. Donc voilà, les taches jaunes sont vraiment parties. Je pense que c'est trop customisé. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Je vous fais tous de gros bisous et je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc voilà, vraiment, suivez-moi nombreux. Et je vous fais de gros bisous, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bisous.